Hey, my people. Beats is made. I'm stopping. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Liazonix 2. Et on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay en match à mort par équipe sur Igris, en compagnie de Vivifux. Eh oui, salut tout le monde, c'est Vivifux. Donc, cette partie nous a été offerte par Liazonix 2 qui a fait une bombe nucléaire avec un barret de cale balchamisé, passe-passe, force de peau, commando. Donc, on va laisser la parole à Liazonix 2. Alors, un petit mot sur la chaîne YouTube. Alors déjà, on est fiers des 24 abonnés, même si c'est pas assez. Enfin, c'est surtout nos amis, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a 24 abonnés. Je voudrais vous dire, c'est très important pour nous, les j'aime, les commentaires, les favoris, les abonnés, les questions ou autre chose. Car ça nous apporte beaucoup. Enfin, ça nous donne envie, en fait, de faire des gameplays. Oui, donc... Moi aussi, je voudrais remercier aussi la team RMP qui, avec laquelle on s'éclate bien, franchement. À remercier Artvenger, Capitaine Amérique. Tiens. Ensuite, Rageur, qui nous fait vraiment triper avec ses gros rages. Ouais. Le Village aussi, qui vient de rentrer dans la team, mais très sympa et on se tape bien des barres. Rambo aussi, que je salue. Extrême avec ses délires en match privé. Et voilà, donc on va revenir au gameplay qui, ce gameplay est plutôt pas mal hein, en match par équipe au Barakal, je le reprécise, c'est très important. Alors là nous sommes à 6 kills il me semble, je me suis concentré un peu et là j'ai vu le 7ème, je fais c'est bon, c'est dans les poches. Et arrière, je débloque. Oui, je vois que t'as pas fait tes quickscope comme d'habitude, tu as vraiment assuré, tu voulais vraiment la faire cette bombe nucléaire. Oui. Donc tu t'es vraiment bien concentré et t'as pas voulu faire tes quickscope comme tu nous fais d'habitude. Donc il a lancé ses arriers, Liazon, il va continuer sur cette belle lancée. Donc la bombe nucléaire ne devrait pas trop tarder. Donc là on est à 4. Voilà. Ok. Alors là, on lance l'hélico. Alors, je tiens à préciser que c'était une après-midi, j'étais tout seul. Le Village était en train de jouer je sais plus, que Global Agenda ou un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit MME. On va tenter la bombe nucléaire, on sait jamais. Donc voilà. Bah là, je mitraille normalement. Normal. Bah aussi l'hélicoptère il n'a pas tourné comme sur les autres gameplays, comme sur des rails quand il fait avec Trikers en gameplay. Donc là il va vraiment t'aider l'hélicoptère, franchement je trouve que t'as eu beaucoup de chance. Et en plus ça a bien tourné le spawn ennemi en même temps que l'hélicoptère est tourné, donc ça t'a vraiment bien aidé. Bah sur Igris, je pense que c'est plutôt une map pour faire les bombes nucléaires, c'est très simple dès qu'on débloque les arriers, ça enchaîne les kills. De toute façon, quand on reste dans les bâtiments, on fait pas beaucoup de kills, donc on est obligé de sortir. Les souterrains, bah là comme vous pourrez voir, j'aurais pu les tirer à la pache s'ils sortaient, hein. Mais la pache était finie. Et oui, le missile nucléaire a bien été débloqué mes amis. Donc ceux qui étaient impatients de le voir, le gameplay avec la nucléaire, bah vous l'avez sous vos yeux. Donc là il y a un autre allié qui a lancé des arriers, donc, je sais pas si lui aussi tentait la nucléaire. Donc on va continuer sur une belle lancée, il y a 26 kills, c'est déjà pas mal. Donc tu cherches des ennemis, un petit peu en galère je trouve. Ouais, mais bon, c'était la fin, j'étais content de moi, j'ai fait la bombe nucléaire, je me suis dit, allez, on va l'activer, c'est bon. Et je vous laisse écouter ce qu'il dit. Voilà, comme vous l'avez bien entendu, il a dit, bombe nucléaire en attente, tourner la clé. Moi, j'ai jamais entendu ça, hein, auparavant, mais bon. Moi non plus, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Bref. Ça fait vraiment sous-marin avec la bombe nucléaire qui est prête à lancer, comme dans la campagne. Donc nous, on a pensé ça. Ouais. Donc on finit sur un score de 33 à 4 fois mort. Donc je vous invite à aller regarder les autres vidéos si ce n'est pas fait.
Sur vos commentaires, sur les vidéos aussi. Les pouces verts, favoris, et abonnez-vous à notre chaîne, c'est surtout important. Et nous, on va vous dire à la prochaine. Pour de nouveaux gameplays sur Call of Duty ou d'autres jeux. À la prochaine. Salut.